Ouais, j'ai une vie. Je peux pas rappeler 14 minutes, j'ai une vie, moi. Ah ouais, t'as une vie. Par contre, faire une vidéo réac, t'as plus de vie. T'es obligé de faire une vidéo réac, gros. T'as signé l'album pendant 4 mois. Et là, tu reviens, t'es obligé d'en parler. T'es obligé de te réduire au niveau des youtubeurs. Parce que t'es mon fan. Y'a qu'un fan pour faire ça. Tu me donnes trop d'importance, gros. Tu cours trop après moi. T'as pas compris, l'amour à sens unique, ça marchera jamais, frère. Tu m'aimes trop. Eh ouais, moi je suis hétérosexuel. Aigu! Donc regarde d'ailleurs, gros. T'es obligé. Eh ouais, Fitna, tu pourras jamais écrire comme ça, tu pourras jamais rapper comme ça, tu pourras jamais avoir ces placements-là, tu pourras jamais avoir cette technique-là. Ça t'a foutu un coup et t'es obligé d'en parler. Tu reviens trop sur Fitna en ce moment. Ouais, je vais faire des sons, c'est pas du Fitna. Pourquoi tu te compares à Fitna, gros? Moi je me compare pas à toi, je m'en fous de tes sons, je m'en fous de tes albums, je ferai jamais de vidéo réac. J'en ai rien à foutre de ta vie, gros. Par contre, petite anecdote pour la culture. En 2001, lorsque j'allais faire mon morceau avec l'autre BDZ, je me souviens, il m'a dit « Tu vas le mettre, Sensation Brave ?» Pour ceux qui connaissent Sensation Brave, c'était sorti sur une spéciale pour les halls, pour la compilation d'Hostile. Et moi, je lui ai dit non. Enfin, j'avais pas l'optique de le mettre dans l'album La Vie Avant la Mort, parce que c'était pas un morceau exclu, il était déjà sorti dans une compile, donc je savais pas que ça se faisait. Et lui me dit, t'es fou, faut le mettre, c'est une tuerie, t'es fou. Il connaissait les couplets, premier, deuxième, troisième, sortait des phases et tout. Il me disait, t'es fou, il était insistant et tout. Je lui ai dit, ah ouais, bah je vais voir, je sais pas, je vais en parler, je savais pas que ça pouvait se faire, mais voilà. Donc, je vous avoue, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Sinon, j'étais pas parti pour le mettre au départ. Donc, on va le remercier. Merci, BDZUP. T'as une bonne idée. Et arrête de faire le mec, ça, moi, t'aimes pas ce que je fais. Parce que t'es fan de la première heure, Code de l'honneur. Le Code de l'honneur, t'a aidé à purger ta peine de victime à Bois d'Arc, là où on te faisait rapper par la fenêtre de force. Les frères du 7-8, je les ai croisés, ils m'ont confirmé hein, que t'avais pas le choix, sinon tu descendais pas en promenade. Donc voilà, en plus t'étais là-bas pour braquage de taxi. T'as braqué un taxi malien, un pauvre daron en plus, après tu joues le mec qui défend la cause des Noirs. Gros mytho, va. Il va falloir que t'avoues à tes fans un jour que t'as été fan de Rof, que de base, Rof t'a inspiré. Là, t'as signé l'album, ça a dû pas mal te rebooster pour entrer en studio, avec tes Zumba et tes vieux morceaux pourris d'une minute 50, 2 minutes 10 sans intérêt qui veulent rien dire. Il y a plein de morceaux à toi qui sont passés inaperçus, personne n'a calculé, t'as vu. Par contre, moi, quand j'arrive, t'as peur, tu prépares tes sabotages et tes bots chez OnlyFans, tout ça, tes 40 coms d'un coup, tout ça. Tout le monde connaît ton système. Tu vois pourquoi? Parce que t'as peur, parce que moi... Parce que mon talent te menace. Et tu sais très bien que je vais faire la diff. Donc voilà, t'es une belle. Voilà, faudra avouer à tes fans qu'à la base, t'es de la TR, la Team Rof. Sauf que t'es refoulé. Voilà. T'as vu, tu voulais ma vie, tu voulais rentrer dans la mafia avec un fruit, tu voulais même peut-être même me remplacer, je sais pas. T'as vu? Et je t'ai toujours dérangé, frère. T'as vu, en fait, même mon visage, il te dérange, frère. T'as fait plein de photomontages où tu m'as vieilli, t'as grossi mes yeux, t'as. Tu mets des photos d'avant, d'à l'ancienne, t'essaies toujours de... T'as capté, t'essaies de faire en sorte que, voilà, on me respecte pas. Mais gros, t'as vu, ça change rien. T'as tout essayé, je suis encore là. Tu te dis pas, oh putain, les forces, mec, en vrai. Eh ouais, moi, c'est réel. Toi, c'est fake. Toi, t'es en terrain conquis. Le showbiz, l'industrie, c'est ton game. T'as vu, t'es le rappeur élu par les médias. Moi, je suis le rappeur élu par le peuple. Tu vois, je fais pas semblant. T'as capté, toi, on peut devoir relayer Marine, Zemmour, tu peux défendre la cause noire tout en suçant Bolloré, tu le sais, t'as vu, donc t'es en contradiction de ouf, t'as même pas honte. Regardez, moi, si je fais le tiers de la moitié de ce que tu fais, frère, laisse tomber, j'ai pas le droit, frère, moi, j'aime le peuple, je fais pas semblant, t'as capté, j'ai choisi mon camp, frère, je suis pas un hypocrite comme toi. Tu vois pas, toi t'es un infiltré. D'ailleurs on te voit avec le maillot de l'Algérie, tu fais rire tout le monde. Tu t'es fait péter le donut, péter la rondelle par Didi, et tu portes le maillot de l'Algérie, frère, arrête de faire honte. Voilà, je connais mes DZ, frère, ils vont pas accepter ça. Je te dis la vérité, arrête de faire de la lèche, ils aiment pas ça. T'es pas comme nous, you're not like us, comme il dit Kendrick. Ne le prends pas mal, hein, te vexe pas, hein. Mais on voit clair à ton jeu, parce que le Maroc t'a banni, tu veux faire Zarma et DZ, mais non frère. Ah, t'as kiffé l'album, là-bas Miami, tu saignes ça dans ta voiture, peut-être avec tes enfants. À l'abri des yeux, mais quand t'es devant YouTube, enfin, frère, tu t'es rabaissé à ce point, c'est une première mondiale. Il n'y a pas un rappeur qui a osé aller faire une vidéo react sur un autre album. Même pour tes artistes, tu l'as pas fait. Donc c'est te dire que je suis trop fort. Je t'ai poussé à bout. T'as vu ou pas? Je suis dans ta tête. J'habite dans ta tête et je paye pas le loyer, gros. Et tu peux pas m'expulser.